Votre PPDA avait un accent africain. Refaites-le d'ailleurs. Ah, surtout, il ne faut pas oublier nos défleurs, hein, s'il vous plaît. Si... Mais voilà, là, c'est pas fait. Ça, c'est drôle. Mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est un Africain. Qui... C'est un Africain asiatique. C'est un Africain qui a été élevé à Belleville. On va passer à vous, Mike. Vous êtes arrivé sur cette croisière en nous vendant un show de ventriloquie futuriste. Je veux savoir en quoi votre numéro est futuriste. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est futuriste. Allez-y, bah, on ne demande que ça. C'est bien la tête de conte tout à l'heure. Non, c'est pas moi qui parle, c'est lui qui me fait parler. Moi, j'ai rien dit du tout. D'accord. Hein, genre, tu me fais pas dire des conneries, s'il te plaît. Fils de... notre magicien. Pour la disparition du lapin, personne n'a été dupe. Hein. Tout le monde vous a vu le balancer par-dessus bord. Pourquoi vous avez fait ça? Eh bien... C'est pas de la magie, ça. Ça vous amuse, mais oui, mais bon. C'est ma technique des magiciens. J'ai fait disparaître les lapins, les tours, les avions. Je suis... voilà, c'est ma technique, c'est comme ça, voilà. Voilà. D'accord. Bon, on va revenir à vous, Lola. Oui. Je suis pas contre un petit rappel à l'ordre pour les chahuteurs qui mettent le bazar pendant les numéros du spectacle, etc. Mais faut pas s'en prendre à eux physiquement. Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Il me matait le cul. Ah, il me matait le cul. Ils ont commencé à la plumer. Bah, exact. Non, Mike.